It's a fucking nightmare, you bitch. Eh bien, salut à tous, c'est Vox, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel comme d'habitude. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ce sera un premier gameplay. On va jouer à Geometry Dash. Donc, Geometry Dash, je suis sûr que vous connaissez tous. C'est tout simplement un jeu avec des petits cubes et on doit sauter. Donc là, je fais ce petit gameplay pour voir si je suis fort encore, puisque tout simplement ça fait au moins 3 mois que ou 4 mois que je n'ai plus joué à ce jeu là et là on va voir si si je suis toujours fort. Et donc là, comme vous voyez, et ben il y a plusieurs niveaux, comme c'était Roman Days, Barra Contract, enfin je crois que vous avez compris. Et là, comme vous avez vu, ben j'avais déjà testé les niveaux pour voir si le jeu marchait plutôt bien. Donc voilà. Bon, bah, je crois que c'est parti pour le premier niveau. Allez, on clique sur Stereo Madness et c'est parti. Waouh, regardez-moi ce petit personnage avec un design le plus plutôt pas mal. Donc moi je l'ai mis en bleu et en rouge. Je sais pas pourquoi. J'arrive plutôt bien dans l'ensemble. Donc là, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est l'avion. Eh ben, je m'en souviens, les amis, hein. C'est bien. Ah, regardez ce que... Non, mais regardez ce que je peux faire. Ouh! Mais c'est vraiment incroyable, là. On vole comme un petit papillon, voilà. Oh, merde, il y avait la pièce. Ben, je vais essayer de... Ben, si je meurs, ben, je vais essayer de récupérer la pièce. Je crois qu'il y avait une pièce pas loin, donc... Ça va, j'arrive. Franchement, les amis, j'ai... je me débrouille plutôt bien. C'est tellement épique. Ah, voilà la deuxième pièce. Mais je crois que la troisième... Attends, je vais essayer de réfléchir où est la troisième pièce. Enfin, je sais plus. Mais je vais... Mais dans un prochain jour, ben, je vais essayer de la retrouver. Et là, comme vous voyez, je viens de terminer le niveau. C'est vraiment incroyable, hein. Je termine le niveau en plein record. J'ai même pas fait de crash. C'est vraiment incroyable, hein. Donc voilà. Déjà là je suis plutôt bien parti. Donc ensuite on va faire Back on Track. Donc c'est le deuxième niveau qui est... Alors attendez. Ah ok, si on gagne ce niveau, eh ben on a 2 étoiles. Et là j'avais vu qu'on avait vu un petit personnage. Donc voilà, je vais essayer de changer la couleur. Donc on va mettre du vert et du... Attends, non ça passe pas. Bah ok, on va mettre du vert clair et du bleu. Ouais, ça passe. Attends. Ah non, du jaune. Ah, ça c'est superbe. Ça, par contre, ça passe plutôt bien. Alors, mesdames et messieurs, voilà pour le deuxième niveau. C'est parti. Alors là, comme vous voyez, eh ben, on a ces trucs... Enfin, moi, je les appelle les bumpers. Je sais pas pourquoi. Enfin, vous voyez les trucs jaunes qui permettent... Qui permet de nous faire sauter comme un... Comme une top, n'importe quoi. Mais qu'est-ce que je suis con. Comme un lapin, je veux dire. Oh putain, le premier crash, allez, ça. Ça commence déjà bien. Bon. Ok. Là, tout se passe bien. On saute. Mais franchement, ça va, je suis plutôt pas mal, hein. Alors... Ah, je sais où est la première pièce. Elle est là. Mais non, fallait pas sauter là, mais t'es nul, toi. Putain, là, j'étais sur le point de récupérer la pièce. Là. Ah non, pas ici. Enfin, j'ai vraiment cru. Mais je crois que j'ai trouvé toutes les pièces. Enfin, je sais où ils sont. Alors, on fait comme ça, voilà. Là, par contre, je l'ai réussi. Là, ça fait plaisir, par contre. On saute avec le petit bumper. Bon, même si ça ne s'appelle pas le bumper. Là, vous voyez, oh non, j'ai loupé la deuxième pièce. Et maintenant, où est la troisième pièce? Ah ouais, elle est vers la fin. Donc là, on va encore continuer. Oula, pourquoi je rame alors que je joue en mode fenêtré? Mais bon, après, ne vous inquiétez pas, la qualité du gameplay sera correcte. Donc voilà. Ah, voilà. What? Putain, j'allais mourir.
Ah, GG. Alors. Mais par contre, je sais pas pourquoi je joue en 30 FPS, mais c'est vraiment horrible. Et là, on vient de terminer le niveau. Et voilà. Back on track. On vient d'obtenir un personnage. Coin. Ah ouais, ça c'est les pièces. Puisque je crois qu'il faut récupérer 5 pièces pour avoir ce personnage. Ah ouais, attends. Ah quand même, il est classe. Alors attends, pour avion, ouais. J'ai celui-là puisque j'avais terminé un niveau. Enfin, regardez. Regardez les amis, vous allez bien rigoler. Regardez-moi ça. Et Hexagon Force, c'est vraiment un niveau extrêmement dur. J'ai fait 84% et là, et Electrodynamics, j'ai fait 62%. Ça veut dire que je suis bien parti pour la suite. Bon, et pour Level Demon, ah non, je peux pas encore jouer au Level Demon, donc il faut attendre que j'ai des pièces. Et là, on se retrouve pour le troisième niveau, Polar Geist, et ce sera le dernier, et je verrai une suite. Donc voilà, c'est parti pour Polar Geist. Et là, il y a un nouveau truc. C'est que au lieu qu'il y a des bumpers, eh ben il y a des petits points jaunes. Et oui. Donc là, on est bien parti. Oh non, mais on meurt encore, c'est pas possible. Ouah, comment elle est épique la musique, c'est un truc de ouf là. Voilà, comme vous voyez là, quand j'appuie sur les trucs jaunes, eh ben tout simplement je rebondis. Voilà. Oh là là, je crois que par contre, il faut faire gaffe. Attends, je crois que j'ai une idée, je vais rester... rester au plafond. Ah, la première pièce. Ça, par contre, ça fait plaisir. Putain, mais en plus, j'ai remarqué quelque chose. C'est que la majorité des niveaux, suit avec la musique. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc là, je viens de récupérer la deuxième pièce. Mais par contre, la troisième... Oh merde, mais je me souviens plus où elle est. Attends, mais il y avait un bumper bleu. Ben, je crois que la pièce, normalement, elle était là. Mais bon, ça, ce n'est pas si grave que ça. Donc là, j'arrive. Je saute. Pom, pom, pom. Vraiment, très classe la musique. Et là, teren, 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 teren. Et c'est gagné. Et on a encore un personnage. Mais putain, c'est pas possible. Oh, Steam Rolling. Ah bah c'est bien, parce que... j'ai reçu deux personnages. Attends, bah je vais... Je vais voir ça. Ça par contre, c'est hyper cool. Ah ouais. Attends, mais je crois que j'ai une idée. Voilà, tu mets le jaune et le rose. Ah voilà. Là c'est mieux. Comme ça c'est mieux. Et voilà les amis, c'est la fin de ce gameplay, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et s'abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et sur ce, je vous dis bye bye.